Et bienvenue à tous dans cet épisode 3 de notre récap hebdomadaire. On s'était laissé hier sur un échec monumental au gelé, et c'est exactement ce que nous avons continué aujourd'hui. Malheureusement, notre rush a été écourté car une mise à jour de 2h30 a eu lieu ce matin. Ça nous a permis de pas mal papoter, de voir où se dropper tel ou tel Dofus, et surtout, de corriger quelques bugs, vous doutez bien. Durant cette maintenance, notre record d'audience de la chaîne a été battu. Alors ça peut paraître superflu, mais anciennement, on était à 700 specs en simultané sans raid pour notre corps. Nous avons aujourd'hui atteint les 1230 personnes en simultané. Je ne vous remercierai jamais assez de votre présence et de votre soutien. Il fallait que je le dise dans cette vidéo. La match terminée, nous avons focus le Gelano. On a farmé 5 heures hier, et je le rappelle, ça nous a permis d'avoir pas mal de gelées fraises et bleutées. A défaut de le drop, notre idée était donc de le craft. On a mis en commun nos différentes ressources pour crafter des multijolis et farmer le donjon, qui est bien moins surchargé, où il y a 2 salles par combat et surtout où le taux de drop sur les boss est plus élevé. Ça nous a permis d'avoir un petit peu plus d'espoir. Bon, pour les tchals, on n'est vraiment pas aidé. C'est notre gros point noir, mais bon, on va y travailler. Une fois au boss, on a essayé de faire quelques succès, histoire d'avoir les ressources de boss pour craft le Gelano. Bien évidemment, ça a foiré. Oh ! Quoi ? Qui c'est qui a tapé une... Ça a rien tapé ? Une invoque. Qui c'est qui a tapé une invoque? Je vais vous péter ça, la ça gueule. Ça va pas donc, donc voilà. Oh, yes. Yes. Oh let's go. Let's go. Eh oui les amis, il est enfin tombé. Bon, il est pas tombé sur moi, mais il est tombé sur Imoka et ça reste un grand soulagement car Imo ayant le Gelano, moi je récupère 6 de ses gelées rouges et j'ai mon Gelano par craft et Bena récupère tout le reste. Et y a son Gelano aussi. C'est fini les gelées, c'est ciao, on n'en parle plus. Mais on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Il nous faut le PM dessus pour le sublimer. Donc je m'en vais briser les multitudes de bottes que j'ai accumulées pendant mon farm, et grâce au métier de DK, on tente de passer le PM. Ça ne passe pas. Sauf que DK, grand seigneur, il claque ses runes très généreusement, juste pour ma gueule. Oh t'es un grand seigneur DK. DK, dis-moi que tu vas pouvoir mettre le PA dessus. Dis-moi que tu vas pouvoir mettre le PA dessus. Dis-moi que ça passe de suite. Oh, let's go, oh, GG. Putain, DK, qu'est-ce que je t'aime. Et là, mesdames et messieurs, oui, c'est enfin le PM qui tombe. Oh merci mon dieu, cet arc Gelano PA-PM prend enfin fin, maintenant on peut se focus sur l'XP. Mais j'ai craqué, j'avoue j'ai craqué, on a un petit peu de retard, j'en ai marre d'aller dropper des trucs, là moi ce que je veux c'est XP, donc j'ai décidé d'acheter le stuff 50 avec ce qui me reste, je décide de faire des tentatives PA sur mon bûcheron. J'ai claqué toutes mes runes PA et c'est parti pour 68 rails. Bon, faut jamais abuser de sa chance. Bien évidemment, ce n'est pas passé. Après ça, on a décidé de faire un boostage, puisqu'avec la mise à jour du matin, Hannibal Smith n'est plus buggé et on peut prendre ses quêtes. Bon, on réussit toujours pas les tchals, ça n'a pas changé. J'ai foiré le tchal ? Non, c'est moi, c'est moi. T'as eu peur. J'ai foiré le tchal et j'ai lâché un soupir, genre... Et puis, Kitty a dit, j'ai mis le petit bruit sur le live de désespoir, genre... J'ai lâché... Putain. J'ai eu peur que c'était moi que j'ai pas fait gaffe. Si c'est toi, ça va alors. Putain, j'ai foiré le deuxième. On est vraiment nuls à chier. Putain, si c'est tout, ça va. Oh putain. Oh non, putain. Mais putain de merde. Mais bon, la fatigue s'est emparée de moi. Sur 3 jours, on a quand même pas mal rush, on a pas mal stream. Du coup, j'ai préféré mettre fin au stream pour me reposer un petit peu. C'est donc aussi une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cela vous a plu. Nous, on se retrouve demain à 7h30 en stream. On se retrouvera également demain en vidéo pour le récap hebdomadaire. Qu'est-ce qui est prévu demain? Très certainement un petit Dofus Kawot pour avoir un petit peu plus de sagesse. Mais surtout, de l'XP, de l'XP, de l'XP, le jeu BL, on en a marre. Sur ce, portez-vous bien et ciao tout le monde.